Journal Miami Herald, parlé à deux détenus qui est trouvé dans pénitencier national en quatre dossiers. Ça, nous voulons parler de Emmanuel Sanon avec James Solage. Luxon Saint-Ville, c'est correspondant permanent nous aux États-Unis. Bonjour, avant de retourner sous interview exclusive, ça, et journal américain Miami Herald fait avec deux noms de cette cité là Miami, Koto Yéa, c'est côté nous joignent. Il y a une pigo communauté haïtienne à l'étranger. Comment journée commémoration ça a passé hier? Bonjour Pierre Renel, bonjour guerrier Dieu seul, bonjour tout le monde. Effectivement, dans la communauté haïtienne et dans diverses zones et dans la Floride, particulièrement dans Miami, Mounio yo pas vraiment comme si fait des activités pour et commémorer et première année la mort Jovenel Moïse là, mais noter fait quelques virons dans quelques zones qui gagnent pile haïtienne dans Miami pour noter capable recueillir impression moun yo, non seulement sous façon de recevoir nouvelle là, mais comment yo ouais enquête là pas avancer yon l'année après. Noter son coup de pied dans Little Haiti, c'est une zone qui gagne plus haïtienne dans Miami côté de parler avec plusieurs citoyens qui d'abord te dit que c'est un l'homme qui était choqué yo, et yo exprimé ta capable dit déception yo par rapport à gens yo ouais enquête là pas avancé yo accusé les monde qui dans gouvernement qui et a font gens là pour enquête là lui-même li traîner nous gagner un monde qui âgé une dame que nous rencontrer sous nous qui dit nous que après président Jovenel Moïse finalé situation pays avait bien mal, il était quoi que li important pour la justice et approfondir enquête là yo façon pour yo capable. Et j'ai pas seulement arrêté les monde qui étaient exécutés ou bien les monde qui étaient matériellement fait ça qui était passé là, mais faut aux jeunes monde qui étaient financés comme ça. Et c'est dans le contexte là justement journal américain Miami Herald fait sorti une interview, oui, une interview le gagné avec deux non détenus qui est trouvé au pénitencier national Emmanuel Sanon et James Solage, qui ça qui révélé dans interview exclusive ça Luxon Saint-Ville. Effectivement, Pierre Runel, c'est deux suspects qui arrêtés qui dans prison pénitentiaire nationale en Haïti qui parlaient avec Miami Herald. D'abord, c'est James Solage, haïtiano-américain ça qui lui-même dans prison parce qu'il était participé il est accusé était participé dans opération qui était menée avec assassinat président. Ça nous capable kembe dans deux interviews ça. On allait pour James Solage d'abord. James Solage dit et c'est vini, yo te dit, vini en Haïti. Il dit, il était rendu dans une réunion, et c'est pendant que lui-même, il chita, et dans l'hôtel, il pendant un bon petit temps, et il dit, il n'a pas de jambes qu'on est, et il n'a pas de occasion pour te connaître qui s'est passé, jusqu'à ce que yo te vienne chercher. James Solage, qui lui-même accusé, et après ça, pour participation présumée à l'assassinat, et il était bien beaucoup de Joseph Vincent, qui lui-même tout son citoyen américain. Dans la vidéo qui t'a circulé après l'assassinat, il y a plus de monde capable de voir James Solage, et qui lui-même était avec mégaphone dans Mel, écoutez, il était fait être passé comme un agent DIA, écoutez, il t'a dit, this is a DIA operation. Et tout le monde est capable d'entendre dans la vidéo ça qui t'a circulé après la mort. James Solage dit dans l'interview ça, c'est dit ou t'es dit pour le dire ça. Solage qui a 35 ans, dans l'interview exclusive ça à Miami Herald, depuis dans la prison côté lié, lui est toujours continué de clamer l'innocence. Lui dit ça ou accusé lui, il n'a pas rien pour lui la donne. Sauf que James Solage accusé un monde qu'il n'a pas voulu citer. Que le dit qui s'est en haut placé qui t'est utilisé. James Solage dit lui vraiment gagné en pile lui n'a plus profond que lui et elle dit avec toute vérité selon ça elle dit c'est piégé ou t'es piégé. Elle dit de manière très professionnelle. Il dit que lui gagne conscience lui tranquille. Lui dit que ça est accusé lui il pas connait là-dedans yo. Et non et texte qui sorti dans Miami Herald, yo essayé faire relation entre
appel que James Solage t'a gagné avec des monde qui citaient dans la mort. Par exemple, John Joel Joseph et yo cité tout Joseph et Félix Badiou. Dans l'interview, ça tout, Pierre Renel et Guerrier du Seul, Solage t'a voulu un petit casse réservé, li pas de voulu dire avec qui est-ce qu'elle t'a parlé. Quelques heures avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais selon sa journal Miami Real Fakone, selon sa diverses sources qui étaient au courant de l'appel là, déclaré Bayo, moun qui était dans le téléphone avec Solage pendant le dernier président, c'était ancien sénateur John Joel Joseph. Et Solage, dans la même interview, ça, il dit que lui-même, il était tout simplement vini après et yon off que compagnie CTU lui-même t'était offril et off yo t'était metté devant pour yon job. Elle dit job liya li pa de jambe konnen li t'était gagné pour loin avec assassinat président. Elle dit c'est un projet de développement et d'ailleurs elle dit son bail qui était très ambitieux, c'est peut-être ça li t'était rentré là-dedans. James Solage pendant l'interview ça li profiter dénoncer conditions liées dans prison. Il dit que la police est menottée pendant 29 jours avec un autre suspect avant finalement d'être transféré dans prison. Il dit que il n'a pas vraiment envie dans une situation comme ça. Il dit celle sale qu'on est, ils sont monde qui ont été piégé, sont monde qui ont été trahi, yo monde yo utilisé. Et puis, il y a des gens qui ont manipulé à tort par un individu de haut rang. C'est ça, James Solage lui-même l'a déclaré. Concernant Christian Emmanuel Sano, dans l'interview Sali by Miami Herald, il dit que c'est James Solage qui était présenté par CTU, compagnie de sécurité, ça, et qui citait dans le cadre d'opération. Il dit que et compagnie y a pas de jambe gagné et pas de jambe tendé parler de projet assassiner président té gon bagay qui té gen pour avec construction l'hôpital té gen un projet électricité de l'eau potable dans certaines régions dans pays a et il dit que et ancien soldat colombien té vinn recruter a et c'était l'idée Entriago avec partenaire yo Entriago n'a pas rappelé c'est lui-même qui met City yo. Et yon a partner yo c'est Arcangel Pretel Ortiz qui lui-même a dirigé yon lote structure de sécurité qui est le Counter Terrorist Unit Federal Academy. C'est un lote instance ou bien un lote structure de sécurité qui est aux États-Unis. Ça nous fait connaître que de M. Sayo, te vle que Colombien yo vini en Haïti pour assurer sécurité projet. Ça non li nié information qui t'a fait croire que Colombien yo ou bien lui-même li té avec Colombien yo le hôté allé la cage Jovenel Moïse. Ça non dit Miami Herald tout et nan interview ça que le la police té vinn arrêté l yo té vle touyil. Il a accusé la police comme quoi il était venu tout il était venu arrêter la date 9 juillet l'a dépassé. Et il dit que il y a même commissaire gouvernement dans l'époque là qui même posait la question qui dit pour qui ça va mourir, pour qui ça va pas tuer. Ça non dit Miami Herald, commissaire gouvernement dans l'époque là dit la police ou des policiers qui étaient venus arrêter lui était doué tout. Et Emmanuel ça non dit toute la lutte dans prison, yo tape harcelé li, yo tape dit que lycée un assassin, li dit que c'est une seule fois FBI a été interrogé li. Et Christian Emmanuel Sano dit côté lié à la dans pénitentiaire nationale, c'est une pire mauvais côté lié, c'est pas côté le té, j'aime souhaiter vivre, c'est pas côté il souhaiter pour moi venir vivre parce qu'elle dit pas gain manger, question hygiène pas respectée. Ça nous dit la vivre dans conditions difficiles, même gens soulagent tout, les mêmes les plaignent de ça. Ça nous dit les innocents, les dit question tu es président, les par contre bagarre comme ça, il dit pas grand qu'une idée tout sur qui est qui pas qu'à faire un bagarre comme ça, mais elle dit
sacrivea l'itaka sorti bon côté gouvernement. Il dit ça que fait la tadoué yon moun nan gouvernement, ça les yon moun qui ont placé dans le gouvernement qui t'a qu'à exécuter. Il dit accusation à mettre sous tout lieu, c'est des bails qui sans fondé. Il dit c'est seulement s'il t'a fou pour t'a rentrer dans un projet comme ça. C'est ça nous capable de en gros. Dans deux interventions, ça, dans un premier temps, James Solage et Christian Emmanuel Sano qui sont en prison actuellement. Mm-hmm. Donc, si vous comprenez bien, personne qui est en prison là, c'est des gens qui ont arrêté innocemment, ils ne pas gagner pour ouais. Donc, nous ne pouvons pas parler tout de rencontres qui ont fait, dans le cas où ils ont été arrêtés là, rencontres lui-même avec plusieurs autres personnes, photos, vidéos, donc il n'y a pas opiné sur ça. Yo. Il n'a pas mentionné parti ça, mais avant même interview ça, et Christian Emmanuel ça nous a toujours dit, les mêmes lits sont monde qui rencontrent tout le monde, dit qu'on a rencontré diverses personnalités qui dans différents secteurs dans le pays. Mais dans l'interview ça, il n'a pas mentionné rencontre, non seulement l'été gagné avec, par exemple, ancien sénateur John Joel Joseph, rencontre l'été gagné avec pasteur Gérald Bataille et plusieurs autres personnes, etc. Il n'a pas mentionné rencontre ça. Sauf que il dit que pour t'a participé dans un projet comme ça, et pour tuer président, connaît seulement et c'est fou pour t'a fou. Il dit pour t'a vin président, alors qu'il n'a pas gagné aucun contact dans le palais national, c'est pas comme ça l'état fait. Donc il dit que il n'est pas gagné pour le ça. Mais parallèlement, enfin, dit monsieur que et autorité américaine. Et il a continué à mener enquête par au bon côté par eux. Miami dans l'article ça il dit que et officiel américain il aurait été discret, il pas trop mettez trop information de yo. Mais ça qui clair selon sa journal Floride l'a fait connaître et li vraiment probable pour autorité fédérale yo mandé transfert aux États-Unis de certains suspects en cours James Solage, Vincent, Joseph Vincent, et puis Christian Emmanuel Sano. Selon sa journal, la fait connaître tous les trois nexayo, et yo dit Miami Herald directement ou par l'intermédiaire du avocat yo, yo vraiment favorable à une démarche comme ça. Yo veut retourner la caillou. Alors, oui, tout c'est citoyen américain, haïtien ou américain. Donc, monsieur, vous dites qu'il y a un problème pour vous et tourner la caille. Donc, oui. Tous les trois, et n'a pas appelé, et d'une façon ou bien l'autre, ils ont collaboré avec l'autorité américaine. Par exemple, Solage, il y a eu un rapport, Vincent, il y a eu un rapport avec des instances américaines. Et tous les trois, monsieur Sayo, ils ont gain lien avec société de sécurité ça qui dans région Floride là dans Miami particulièrement qui lui-même était impliqué dans un projet pour assassiner ancien président Jovenel Moïse et qui ça dit qui ça qui fait en fait pour compagnie ça qui lui-même t'a recruté monde il a interrogé maître compagnon il est en prison tout ça dit pour qui ça c'est pas là y aller autorité américaine n'est pas là. Parce que c'est là que tu as recruté de monde, donc il y a pour qui ça tu as recruté, il y a qui est sur en affaire quand même. Alors, on a rappelé que quelques mois après la mort de l'ancien président, tu as gagné en descente que FBI a été fait, tu es allé, Kai, une responsable et compagnie, ça, si je ne me trompe pas, tu as une perquisition qui a été faite, côté, tu as joué des matériels, etc., mais tu n'as pas arrivé à retracer. Et mettre compagnie qui c'est Intriago. C'est pas seulement Intriago qui est impliqué, gon l'autre citoyen qui est Archangel Pretel, qui lui-même tout gagne, non, c'était bien fort dans planification, opération. Jusqu'à moment où on a parlé là, moi pas vraiment au courant, il y a une responsable compagnie ça qui a arrêté. Et dans tout article qui a sorti, on pas vraiment entendu qu'il y a une poursuite. Moi seulement connais gagné une opération de perquisition qui était faite la caillou dans responsable et jusqu'à présent pourquoi gagné un rien qui dit sous ça et dans l'article ça n'a pas rappelé que Miami Herald lui posait un ensemble de questions. Il dit que comment yon compagnie sécurité qui a juste
et juste venir avec un projet soi-disant pour aller faire un bagarre en Haïti et puis pour projet ça venir virer un assassinat. Et Miami a posé des questions tout comment James Solage et Joseph Vincent Sanon pour Kotio t'es capable et impliqué dans un bagarre comme ça sans pas gagner yon l'autre monde d'elle. Et James Solage dans l'interview ça n'a pas rappelé monsieur il dit Miami Ral que il pensait que il était piégé et il insistait que il était piégé par des individus de haut rang qui t'ai utilisé le comme bouclier mettait-le devant le monde entier pour faire le passer pour un criminel. Donc James Solage jusqu'à présent il était réservé, il va les citer non mais dans plusieurs côtés dans l'interview il dit que on qui était piégé lui c'est des monde qui était de haut rang. Mon capitaine des deux hauts, ça veut dire des gens qui ont de hauts fonctions ou bien de hauts placés. Jusqu'à présent, on prend l'interrogation. Sous ça, James Solage t'a voulu et parler de hauts. Qui est-ce qui est hauts? Qui est-ce qui a autorité? Il n'est que d'attendre. Il n'est que d'attendre de Luxon de Saint-Ville. Pendant la justice ou l'autorité américaine, ils ont parlé pour faire demande d'extradition. James Solage et de l'autre qui est sorti sans que y'a gagné qui n'a quatre dossiers. Ça, nous connaissons Palacio. Palacio, c'est John Joel Joseph qui est non cité qui est en bas, qui n'a même autorité américaine. Comment le dossier Mounsa va marcher? Il y a Rodolphe Jean également. Effectivement, il y a trois suspects clés qui accusés comme quoi ont participé dans un complot pour assassiner le président qui est en détention et dans Miami, dans l'État de Floride. Et il y a deux là-dedans, Mario Antonio Palacios Palacios, ancien soldat de l'armée colombienne avec Rodolphe Jean, qui lui-même son trafic en drogue, qui devient un homme d'affaires par la suite. Ils ont même déjà inculpé dans le cadre de un acte d'accusation sous un complot qui était abouti à la mort et président. Ils ont accusé M. Sao parce qu'il était des appuis logistiques, des armes, etc. pour te soutenir le complot ça qui était abouti à la mort. Rodolphe Jean lui-même a déjà plaidé non coupable. Palacios lui-même tout fait même exercice là depuis le commencement de l'année. De accuser ça, selon ça, Miami a rappelé, il risque prison à vie, et si toutefois, il a joué coupable effectivement. Et troisième suspect, là, nous sommes parlé là, qui c'est John Joel Joseph, ancien sénateur haïtien, il a arrêté tout pour même motif, comme on qui a participé dans le plan, et il a été extradé, sorti Jamaïque en mai. Jean-Joël Joseph li beaucoup inculpé officiellement par un grand jury fédéral, mais Miami Herald dans même article ça li dit que Jean-Joël Joseph li pensait et que l'a coopéré avec autorité américaine yo de façon pour capable joindre dans babouche Jean-Joël Joseph comment effectivement il était impliqué et qui moun qui était ensemble avec dans plan ça. En parlant de John Joel Joseph, ou pas un vent de famille et famille ont été arrêté avec les Jamaïques qui étaient sollicités en demande d'asile, autorité jamaïcaine ont été rejetées. Jusqu'à présent, pas gagné de nouvelles. Et bon, presque chaque jour, moi, j'ai gardé sur le site information Jamaïque, pas vraiment gagné trop de nouvelles. Dernière décision nous te connaissons, c'était refuser ou te refuser madame John avec deux petites guillots, asile que ont demandé. Il y a une décision que l'avocat a été dénoncé parce que ont dit que ça aussi retourné en Haïti. Ils risquent victime de violence, ils sont capables d'attaquer, etc. Pour les Sapagéens, il y a qui dit demande asile la refuser officiellement, légalement. Madame John Joël Joseph Akpiti, il t'a doué quitter le territoire jamaïcain. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui dit est-ce que vous avez un délai pour quitter le pays? Est-ce que vous avez des autres démarches, un recours que l'avocat a fait? Jusqu'à présent, question ça aurait été pendant. N'a continué fourniger sous site information dans le pays de Jamaïque pour qu'on connaisse qui dernière évolution qui gagne dans l'aspect ça. La justice américaine qui sous plusieurs dossiers qui intéressaient nous hier gagné un ancien membre base 400 Marozo qui paraît devant le tribunal dans le cadre de kidnapping qui était fait sous américain en Haïti. Effectivement, gagné Jean Pélisse, que tout le monde connaît sous Zo,
alias Ti David. C'est comme ça yo relel. Ça gagne 2 mois, tout le monde te wel sur les réseaux sociaux yo. Ti David zo te converti dans cadre yon live pasteur Locha Remy t'a fait. Zo Ti David te quitté pays ya, ça fait un bon petit temps. Il fait plusieurs vidéos en pile monde konwel côté que zo a dénoncé, l'a dit que kounya la ville changé, il c'est un frère. Et l'a expliqué comment ça allait qu'on fait yo, c'est des diables, etc. Kounya la ville changée. Alors, selon ça qui sorti dans le ministère de la justice américaine, il y a une note qui sorti hier après-midi, gagné Jean Pelis alias Zo, qui lui-même fait première comparution devant un tribunal Washington. Pour moi qui ne connaît pas, Zo transféré aux États-Unis depuis 16 mai 2022 sous base. Il y a un mandat d'arrêt qui était metté derrière pour participation dans le kidnapping et puis kembe 16 missionnaires américains, on a rappelé l'année passée. Alors, plainte pénale ça qui déposait contre Zo, Ti David, il y a je dois être souligné directement comme monde qui a joué un rôle important dans le kidnapping citoyen américain ça yo. Notre sacré ministère la justice américaine MTDO, il dit que Zo gagne 27 ans, c'est membre gang 400 Marozo. Actuellement la Zo li en détention après qu'elle t'ait fait première comparution. Pas rien qui vraiment sorti après comparution ça, mais département justice américaine Santa Clara le ministère justice là, il juste informé que Zo t'ait fait première comparution devant tribunal district dans États-Unis pour dans zone Colombia, mais pas vraiment gagner trop de détails qui va gagner procureur américain Matthew Graves qui dans tribunal district Colombia avec John Bernardo qui c'est agent spécial par intérim qui chargé bureau local FBI dans Miami qui officiellement fait annonce ça, mais jusqu'à présent pas gagner détail pour connaître qui ça Zo dit, qui information que le bail. Est-ce que Zo est prêt à gagner pour lui faire même route avec Germaine Joly alias Yoyo qui est même déjà dans Washington? De monsieur Sayo, c'est deux monsieur qui voyagent vers les États-Unis sans visa. C'est sûr que monsieur Sayo est dans le même état, dans la même ville. Mais nous ne connaissons pas est-ce qu'il a mis dans la même prison, même si il était sorti dans la même gang. Voilà, merci un peu, Luxon Saint-Ville. Hein. Bon travail. Merci Guerrier, merci Pierre-Renel, merci tout le monde. Voilà, Luxon Saint-Ville, correspondant permanent aux États-Unis, qui était en direct avec nous pour parler de plusieurs dossiers. Pierre-Renel, Yon, c'est question, en tout cas, interview ça, que de M. Sayo, Emmanuel Sanon et le citoyen James Solage, bail avec le journal américain. Mais ça, nous sommes capables de retenir. Donc, j'ai l'impression d'ailleurs, au moment, il a dit c'est Jovenel qui touille tête-li. Parce que tout le monde dit, yo pas la donne, zéré Léo, Théré Léo, c'est pas ça que tu viens de faire. Donc, puis devant, nous sommes capables d'attendre nous que vous allez dire, président Jovenel Moïse, de tout et tête li, hein, parce que chaque monde, tout le monde, il donc nié implication dans un crime. Et puis, dossier citoyen ça, Pélisse.